Chers frères et sœurs, quelle joie de vous voir si nombreux. Anna est avec nous. Remercions la Vierge Marie. Sainte Vierge m'a délivré un message d'amour, car seul l'amour nous sauvera. Alors aujourd'hui, je voudrais saluer tous ceux qui viennent de si loin et qui attendent tant de nous. Ceux qui viennent de pays déchirés par la guerre et la misère. Je pense aussi à ceux qui ne sont pas parvenus jusqu'à nous. Ceux qui sont restés sur la route, ceux qui sont morts. Eux aussi sont avec nous à jamais. Pour eux tous, prions. Je l'ai vu. Tu m'entends? Ça coupe. Allô? Oui. C'est un site d'info anglais. Et ils ont appelé ici pour te parler. Je crois qu'ils veulent faire un sujet sur les reporters de guerre blessés. Dis-leur que t'arrives pas à le joindre. Que je suis en arrêt maladie. Ah, c'est ce que je dis à tout le monde. Ils ressemblent à quoi tes collègues? J'ai du film pour après. Ça parle d'exorcisme, de parlition surnaturelle. Pour eux, c'est la routine. Anna, si tu ne veux pas y aller, il est encore temps. Je suis prête. Allez. Dis-toi bien que ce film a été un mois et demi au cinéma. Mathéna, c'est là. Et deux mois ici, quand on est parti pour 4 mois. Et aujourd'hui, c'est la dernière séance à 10. Après 4 mois de projection. Anna, ne t'inquiète pas, nous ne pouvons rien faire. Merci, maman. Thank you.
Ces enregistrements ne devront en aucun cas devenir publics. Ne vous inquiétez pas. Tout ça restera confidentiel. Nous n'avons rien à cacher. Je vous laisse. Merci. Et voici la commission, le docteur de Villeneuve, qui est psychiatre. Bonjour. Stéphane Morlet, théologien. Bonjour, Anne. Paul Éric, sœur Sophie, sténotypiste, le père Gallois. Et enfin Jacques Mariette, journaliste. Bonjour. Par ici. Merci. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation, Anne. Donc c'est Jacques qui va conduire l'entretien. Nous avons discuté tous ensemble chacune de nos questions, et il est important pour moi de vous dire que personne ici ne vous veut aucun mal. Avant de commencer l'interrogatoire, Anna, posez votre main et dites « je le jure ». Je ne sais pas si j'ai le droit de jurer sur la Bible. Oui, ne vous inquiétez pas, Anna, ce sont les usages. Je le jure. Alors tout d'abord, si vous voulez bien me décliner votre identité, Anna. Je m'appelle Anna Ferron et je suis née sous X le 20 janvier 1999 à Lannion. Et je suis novice au couvent de la Providence. Est-ce que vous avez reçu une éducation religieuse? J'allais à l'église avec ma grand-mère dans la première famille. Mais à sa mort, j'ai arrêté. Et c'est plus tard qu'on m'a placée dans un foyer catholique parce que la famille ne pouvait plus me garder. Est-ce que la religion était présente pendant votre petite enfance? Non, je n'étais pas dans des familles où on en parlait. Est-ce que vous pensiez à Dieu ou à la Vierge Marie? Est-ce que vous en parliez avec des adultes? C'est avec le père Bourdine que j'ai commencé à en parler. Que j'ai ressenti quelque chose. Pourriez-vous nous décrire ce que vous avez ressenti? C'est comme un appel. Vous avez quel âge à cette époque-là? 15 ans. C'est la première fois que vous avez entendu parler d'apparition? Je connaissais un peu l'histoire de Bernadette à Lourdes. Mais comme tout le monde. Vous avez lu des livres à ce sujet, vu des images ou des films? Par exemple, sur les apparitions de Fatima, de Garabandal ou de Medjugorje. J'en ai entendu parler plus tard avec les pèlerins, et puis sur Internet. Avez-vous appartenu à des mouvements satanistes, de sciences occultes ou autre chose de ce genre? Jamais, non. Mais je crois que le diable existe. Je suis sûre. Le mal. C'est le père Bourdine qui vous a proposé d'entrer dans les ans? Non, ça se passe pas comme ça. C'est quelque chose qui vient de soi. C'est moi qui lui ai demandé de rencontrer des sœurs pour mieux connaître. Et c'est à ce moment-là où il y a eu la première apparition. La première fois, c'était il y a 2 ans, en septembre. Il n'avait plus toute la journée. Et je suis sortie pour marcher comme je le faisais souvent. Vous étiez seule? Oui. Il faisait froid. Et c'est en arrivant près du premier refuge que j'ai vu une lueur, un peu plus loin sur le chemin. Qu'est-ce que ça veut dire, une lueur? Vous pouvez nous décrire plus précisément? Je croyais que c'était le soleil qui faisait briller l'eau sur les pierres. Vous savez, comme après un orage. Vous savez quelle distance à peu près? Vous pourriez me montrer? Je ne sais pas. Par là. Et vous avez été ébloui? Vous avez détourné le regard ou fermé les yeux? Non. C'était une lumière douce. Très douce.
forme. C'est quand je me suis rapprochée que j'ai vu une forme humaine. Vous avez pensé que c'était quelqu'un? Enfin, je veux dire, quelqu'un de réel? Non, je savais que c'était autre chose. Quoi? Une femme. Une très belle femme. Avec un voile et une cape très simple. La robe était blanche ou plutôt claire, et la cape bleu ciel. Et ensuite? Ensuite, j'ai entendu une voix calme. Et cette voix, elle vous a parlé en français? Oui. Elle m'a dit, il ne faut pas avoir peur. Vous lui avez dit quelque chose? Ça m'arrive tous les jours. J'arrivais pas à parler. Quel est le message exact qu'elle vous a transmis? Ces mots précis. Elle m'a dit, j'entends les cris du monde. Elle m'a demandé d'aider ceux qui m'entourent à redécouvrir le don de soi, aux pauvres. À ceux qui souffrent. Elle m'a aussi demandé de construire un refuge pour son fils. Un lieu d'accueil et de prière. Continue, Anne. Ça n'a pas duré très longtemps et la lumière s'est évaporée. Alors je suis restée toute seule. Il n'y avait plus un bruit. Je suis rentrée au foyer et je me suis enfermée dans ma chambre, je ne voulais plus parler à personne. C'était trop dur à parler avec vos amis. Mais c'était impossible. Ils m'auraient prise pour une folle. Et c'est plus tard, j'ai décidé d'en parler au père Borodine. Plusieurs semaines, peut-être un mois. Et quelle a été sa réaction? Il m'a dit que c'était un grave blasphème et qu'il m'a traité d'orgueilleuse, prête à tout pour se faire remarquer. Comment les gens autour de vous ont été au courant de ce qui s'était passé? Personne n'a rien su. On a gardé le secret tous les deux pendant plus d'un an. Et puis c'est après la deuxième apparition que les gens ont commencé à en parler. Aussi beau si son dit que je l'ai en
pas mal, hein, ça fuit. Garde-en un peu, ça te reste. Garde-en un peu les batteries pour les débattre. Je ne sais pas. Je suis sûr.